Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Karim. Votre date de naissance, Karim? Alors, 19 août. D'accord. Vous nous 89. Très bien. Vous êtes dans quelle ville, Karim? Je suis de Dijon. Ah, très belle ville, hein? Si vous le dites. Que puis-je faire pour vous, Karim? Je vous écoute. En ce qui concerne la vie sentimentale. D'accord. Vous avez quelqu'un actuellement dans votre vie? Oui, non. Enfin. C'est compliqué. C'est un peu compliqué. Enfin, on va pas dire compliqué, mais un peu. Pas un peu, mais c'est quand même compliqué. C'est ça? Vous auriez un prénom à me donner, Karim? Alors, c'est Sabrina. Elle a un fort caractère, elle a. Bon, peut-être bah, elle oui, sait, peut-être. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas, Sabrina. Mm-hmm. Et c'est la, on va dire que c'est une des rares fois où vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Oui. Avec Sabrina. Mm-hmm. Mm. Mais c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, Sabrina. Réellement. Oui, ça. Vous ressentez ça? Oui, elle a juste envie que vous soyez un peu stable. D'accord. Émotionnellement parlant. D'accord. Sabrina, c'est une femme qui, comme je vous disais tout à l'heure, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. D'accord? Là, Sabrina, d'accord, elle a envie de construction, elle a envie d'être avec quelqu'un qui travaille, qui est bien dans ses baskets, qui est bien. Donc, elle est un peu, elle a un fort tempérament. Elle est un peu dure. Mais c'est une femme qui est vraiment très bien. Vous avez besoin d'une femme comme Sabrina, Karim? Oui. Oui. Parce qu'elle arrivera mieux à vous cadrer, Sabrina. Ça vous fait rire, parce que vous savez que j'ai raison. Même s'il y a des moments où elle vous donne mal à la tête. Mais c'est une femme en même temps. Donc voilà. Mais Sabrina, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Pourquoi est-ce qu'il y a un peu de distance entre vous? C'est parce que peut-être qu'elle habite loin, hein, la distance, ou enfin parce qu'elle n'habite pas dans la même ville. D'accord. Vous vous chamaillez souvent? Non, pas du tout. D'accord, ça va pas tarder, hein. Elle aura envie de plus en plus vous voir, hein, Sabrina. D'accord. Tant qu'elle va vouloir que vous fassiez les efforts nécessaires pour. D'accord. Bah, je suis prêt, moi, enfin. Vous êtes prêt? Bah oui, je suis prêt. À vivre ensemble aussi? Pourquoi pas? Oui, parce qu'elle, elle en a envie. Vous ressentez ça? Oui, elle essaie de vous le faire comprendre, mais comme vous ne parlez pas la même langue, vous avez du mal à comprendre ce qu'elle est en train de vous dire, en fait. Elle a envie de construction. Elle a d'accord envie. Là, pour les mois qui vont venir, elle va de plus en plus vous en parler, Sabrina. D'accord. Elle a envie d'avoir une vie de couple, de fonder une famille. Elle a envie de tout ça. D'accord. Elle a aussi envie d'une union. Mmh. Mmh. Je vous écoute. Donc là, les cartes sont entre vos mains. Concernant Sabrina. Mmh. Donc, oui, donc les choses vont devenir moins compliquées, mais on me dit vraiment que là, il va falloir que vous sautiez le pas avec Sabrina. D'accord. Parce qu'elle a vraiment envie de tout ça. Et là, dans les mois qui vont venir, elle va vous le faire comprendre. Et quand vous ne comprendrez pas, elle va vous le dire. Bon, au début, vous allez un peu vous disputer parce que quand elle dit les choses qu'elle n'arrive pas à se faire comprendre, elle est un peu rustre. Mais ça ne sera pas méchant du tout. D'accord. Dans tous les cas, je vois une construction avec Sabrina dans les mois à venir. D'accord? D'accord. D'accord. Bon. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci beaucoup, madame. Moi de même. Et bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.